Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur Cash Collector. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Cette fois-ci, il s'agit du Monopoly de la WWE. Celui-ci sera en langue anglaise, comparé à d'autres qui sont en allemand. C'est parti, on va commencer par ouvrir le plastique. On va jeter un coup d'œil au verso. Sachez que vous pouvez le trouver sur des sites marchands comme eBay ou Amazon. J'ai payé le mien 20 euros, 20 euros frais de port compris. Alors, comment il se présente? On va l'ouvrir tout de suite. Alors, ça, on s'en fiche un petit peu. Un petit livret avec les règles, j'imagine. Le plateau du jeu ici. On va jeter un œil tout de suite au plateau. Hop, je le défais. Quand même assez imposant. Je sais pas si ça va être facile de filmer. Voilà. Ça c'est le bas. Et on a ici le haut. Avec Roman Reigns, Charlotte Flair, le New Day, The Rock, Triple H. Un beau petit plateau, puis avec des superstars autour. Un petit peu de tout. On a du NXT, du Raw, du SmackDown. Hop là. Alors ensuite. Bon alors là. On a quoi? Donc ça c'est des arènes j'imagine, des arènes et puis des escaliers. Une carte. Et ça, c'est ce qui est le plus sympa, c'est les petits objets. On a une valise Money in the Bank. J'espère qu'on le voit bien. Voilà. Une ceinture. Une botte de catcheur, une échelle et également ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah bah tout simplement le logo WWE. Voilà. Alors les billets, je suis sûr que c'est Vince McMahon dessus et c'est gagné. C'est ça, c'est bien Vince McMahon dessus. Bon, je pense que les autres, c'est également Vince McMahon, ça sert à rien d'ouvrir pour rien. Et on a ici les cartes de jeu. On va ouvrir ça. Voilà, on a les cartes, Sasha Banks, The Miz. Bon, il n'y a pas les photos, c'est un petit peu dommage. Les cartes Raw, les cartes SmackDown, on n'a pas de cartes NXT. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit? Hop, ouais, bon, il n'y a rien de spécial. C'est un Monopoly vraiment classique. Hein. Il y a juste une petite, des petites références au catch, quoi. Voilà. Et bien voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez qu'on continue l'unboxing sur d'autres jeux de société ou d'autres produits dérivés. Voilà, n'hésitez pas à me laisser votre avis. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous afin de ne rien rater. À bientôt!